pense que la salle de bain est en train de prendre une partie de plus en plus importante dans la maison, puisqu'on y passe peut-être une heure le matin, une heure le soir. C'est comme ça qu'on commence la journée, c'est comme ça qu'on la finit. Donc c'est très très important, c'est un espace essentiel. Avec la chambre, ça fait un univers. Je crois qu'on a un grand avenir avec le Teuco. On a beaucoup de projets, et à la fois dans des architectures très orthogonales et d'autres architectures plus souples, plus proches du corps. Et ici, la volonté, c'était de montrer quelque chose de très très proche du corps. Imaginez une géographie, c'est-à-dire que c'est un espace, un moment d'espace dans lequel on a intégré les différentes fonctions du bain, la douche, la baignoire, les lavabos. Donc c'est un espace imaginaire. On l'appelait géographie puisqu'il y a des courbes de niveau. En réalité, la courbe de niveau, on parle de zéro pour la douche. On arrive un peu plus haut pour les baignoires et puis un petit peu plus haut pour les lavabos. Donc c'est des différentes hauteurs des fonctions du bain. On a utilisé pour ça le Duralite, qui est un matériau qui se façonne très très facilement, qui est un magnifique matériau sur lequel l'eau glisse et qui est un très bon contact avec l'eau et qui est une des savoir-faire de la maison Teuco.